ça reprend. Oui, Jean-Louis, les caméras, là, c'est bien ça. Sorti du... Chapeau, Jean-Louis. Là, du travail, là. Tunnel du Stadium de Toulouse en direct sur Sportas 783. Yes, prêt à restarter notre start. Oui, oh, bah, ça va. Le coup d'envoi, le coup d'envoi. Surtout, si vous voulez, c'est par rapport aux images que les gens ont en tête. En tête, et bel accent, monsieur. Vous avez mis l'accent sur la chose, vous avez bien fait de le dire. C'est vrai que c'est question d'image aujourd'hui. Bon, Jean-Louis, on reprend, on reprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu parles avec qui? Avec qui tu parles, Jean-Louis, là? Oui, mais justement, tu coupes la conversation et puis tu reviens, allez, oh! Attention, ça va repartir dans quelques instants entre la France et l'Italie. Right! Come on! Les Samoa sont là. Tout le monde est là, Bousca et Samoa, Jacques, Jackie, Jean-Louis, on y est tous. C'est devant en voiture. Et en voiture. C'est parti, il y avait une voiture, on vous a dit tout à l'heure, c'est une info, Sportas Foundation. Sportas Foundation, donc on vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos messages si vous êtes... Pour aller se faire. Oui, allez se faire, allez, qu'on aille se faire. Tout simplement, voir. Et reviens. C'est l'arbitre qu'on attendait, c'est l'arbitre qui était à la bourre, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Petit Salé, on l'a dit, qu'il n'avait pas fini. Pas tout à fait fini, effectivement. Et qui avait pris une fourchette, hein, pardon. C'est quand même... Hein? C'est quand même curieux ça, que ce soit l'arbitre qui soit à la bourre là qu'on attende pour commencer le match, le trio arbitral, qu'est-ce qu'ils se bouffaient entre eux, c'est pas possible. Ouais, c'est bizarre. Attention, ouais, c'est parti. Ça commence à bien faire là. Ouais. Non, ça c'est parti. Là, j'ai lancé, là, j'ai lancé le chrono qui tire 50 secondes d'avance. Poil, alors que là, on est à 50 secondes d'avance. Non, attends, je vais recaler, calme-toi. L'équipe de France. Non, qui commence comme... Faute de main. Allez, Huguette qui... Bien, pas ah mal, non, c'est pas Huguette, c'est Folfada. Folfada, oui. Folfada, c'est quand même vous dire. Au sol, pas mal quand même, alors on va se dégager. Dégage. Voilà, ça c'est fait, Jacques vous l'a demandé. Jacques vous l'a demandé. C'est joliment réalisé. Qu'est-ce que tu racontes encore, bordel? Alors on est à combien? Déplacé. 1-0-1, on a le temps. On est bien placé. Oui, là, faute de main. Oui, enfin, faute de mais passe. Faute aussi, de passe, voilà. Je pense plus. Ouais. Par contre, regarde, Folfada de suite. Allez, c'est parti. Et d'un, et de deux, et de trois, et je continue. Ouais, quatre, ouais. Et regarde-moi ça. Magnifique, ça, hein, il utilise l'attaque pour mieux avancer. Corporel, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça derrière, là, les gars. Doucement derrière. Doucement, tout le monde est content de revenir, je sais, mais quand même. Tenez-vous. Le plus cuisant de toute l'histoire du sport français. Oui, monsieur, quoi donc? Mais. Mais c'est fini pour les bleus. Ah merde, oh belle combinaison des Samoans. Samoan Kegol. C'est fini pour les bleus. Samoan Kegol. Ça commence pour les bleus. Ça commence. Ah là là. Non, tu le marques. Non, il pouvait pas y aller, Jacques. Oh, il manquait un petit quelque chose. Ah, il manquait tout. Oh mince. Ah, par contre, peut-être sur celui-ci. Non, si. Maintenant, la défense. Oui, la défense française est bien. Brutus. Brutus. Ah, c'est bien, tant mieux que ça. Ouais. Ouais, bonne défense, en tout cas française aussi. Vite revenu, effectivement. Ballon sorti pour tonton Paquette. Ouais, tonton Paquette qui passe. Oh, le raffut. Le raffut du tonton Paquette. Les langues, est-ce qu'il y a mis Blue try. Ah, yeah, goal. Qui c'est qui a pris ce raffut magistral dans le thorax? Ralenti, j'ai dit. Ah ouais. Ouais, là, jusque voilà, là ça va, bonne là passe. Il est bien. C'est allé très vite, là, très vite. Là, fausse passe. Oui, non, c'est tout à l'heure, là, ça. Après. Huguette, qui l'a mal attrapé. Là, il le loupe aussi. Ah ouais. Et c'est sur un fil. Oh là, voilà. Oui, oh, c'est le gros. C'est le gros. Gros Tonio qui a ramassé. Il a ramassé costaud, gros Tonio. Ouh, il n'y avait que demandé qu'à tomber. Et ça nous fait super essai pour les Samoa. Oh, encore, Jack, encore, putain. Ça fait du bien. Putain, que tu c'est crois, bien. Quoi, les Samoa qui marquent l'essai là d'entrée. Quoi. Ah, puis moi, j'ai pas relancé le chrono. Ça va reprendre. Oh, tu parles. Si, regarde. Ah, oui, ça va reprendre, mais avec. Je connais la gueule du chrono. Mais ah, ben, on est au moins une minute debout là. Ah, bravo. Alors. Alors c'est un problème ce chronomètre, je t'arrive pas venu, c'est un problème ce chronomètre. Attention à cette petite tentative de peut-être transformation. Peut-être qu'il va la mettre. L'angle est bon, là j'en ai. Alors là, non. Non, là quand même.
Eh non, c'est à côté, c'est loupé, c'est dommage, raté. À côté, c'est à côté. Ou à côté, c'est à côté. Ça ne fait que 5 points pour les Samoans. Ça peut pas compter pour le moins. Ok, ça nous fait combien? Écoutez, on était à 23-3. 23 parce que nous ne comptons pas la dernière pénalité française. Ouais, donc pensé. 26, donc 26-3. 26-8, Jean-Louis. Ouais. le temps, Jean-Louis. Ah oui, 43-21. Oh non, là on est mal. Là on est mal, effectivement. Ouais, on attend le prochain arrêt de jeu. Intervention, on se fait pénaliser, on se fait sanctionner. Attention, les Samoans reviennent avec Allan dans cette seconde période. Il ne faudrait pas que l'avance des Français les ait un petit peu endormis. Voilà, on a à peu près 2 minutes 30 hein, de décalage pour ceux qui nous rejoignent sur Sporters Line Project Live avec Foundation Sporters. Ah là, on s'est déchiré sur le chronomètre, mais je le sais. Mais bon, si vous voulez nous envoyer votre message hein, sur notre page Facebook. Oui. Ouh, c'est sympa de voir un mec fumer à l'écran, c'est rare, mais c'était très sympa. C'est ça se tarie. Non, enfin oui, tu reprends, hein, donc page Facebook, Sporters Family, c'est ça? Oui, Sporters Family, enfin il faut demander de devenir copain alors. Ah, c'est ça. Et oui. Copain, de devenir copain. Donc si vous tapez Sporters Family, si vous êtes déjà une adresse, tout ça, a priori, vous trouverez la page Sporters Family. Ah, et donc nous, on recevra la notification comme quoi quelqu'un veut devenir... copain. Ça doit être ça. On va avoir des copains. On va avoir des copains. On va avoir des copains. Des bons copains. Ah. Meuf. Non, il y a 8, 26, 8 pour les Français. Ne vous y trompez pas, il y a 44 minutes hein, de jeu déjà effectif. Notre chronomètre a gelé pendant quelques instants. Et ce sont les joueurs Samoans, hein, me semble-t-il, qui vont revenir dans la moitié de terrain française. Quoi ? Et le... Ah, il le sait pas ? Le sélectionneur lui-même doit-il passer la main ? Non, il doit passer la balle. Écoutez, puisque cet établissement, c'était déjà... C'est une touche. Touche pour les Samoans, s'il vous plaît, derrière, fermez les clapets, là. C'est une touche sérieuse, là. Les tuyaux, Jacques, ferme les tuyaux. Regarde ce petit plan, là, avec ce gros caméraman. En tous les cas, c'est bon pour les Samoans, hein, qui ont le cuir. Le bloun. Ah, yes. Ah, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Très bien, c'est ce maillot bleu qui les transcende. Je le sens. Ouais, maillot bleu vif du Pacifique. Ah, Jacques, comme c'est beau ce que tu dis. Il n'y a que toi pour mettre un peu de poésie. La chabale. Il joue plus chabale, Jacques. Il joue plus la chabale. Le ballon Samoan avec... Tonton Bacouette, qui nous fait mal. Van me tu. Et on est là, en concert, les Samoans jouent. Oui. Ah oui. Ils sont joueurs, ils sont rigolos, hein. Cananavi. Le ballon dans les pieds du Pacifique. 135 kilos. Ouais. 135 kilos, 260 maintenant. Rien n'a été changé hein, du côté de Ginov, hein, l'entraîneur emblématique du Stade Toulousain. Hein, donc on en a peu parlé, mais tout le monde l'a fait. Tout le monde le sait. Oui, pardon Jacques, non, mais oui, en fait, oui. Il a été contraint de faire un changement très vite avec une blessure qui t'a échappé certainement. Oui, mais mis à part ce changement, à la mi-temps, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Non. Alors, les copains, c'est un son radio associative. Ah, enfin, pas tout à fait radio sportive. On aura peut-être une radio associative qui sera copain avec nous. Oui, c'est possible. Mais par contre, non, c'est pas. Sportage n'est pas une radio. Enfin, Radio Sportage n'est pas une radio associative, faut vous le dire. Hein. C'est... Ah, collaborative. Non. Pour l'instant, c'est pas trop dans la forme, de la structure. On sait pas trop. Le ballon est quoi ? Mais que c'est une émission, c'est une émission si en tous les cas. Si vous nous écoutez, vous êtes associative, pourquoi pas. Ballon dans les mains, Samoans qui poussent maintenant, qui poussent et qui vont marquer, des Samoans qui vont tout en hanter les Samoans, c'est Java, ça n'a pas le droit de l'attraper, si, ça peut continuer. Ah, et gentil, gentil monsieur. Monsieur petit salé aux lentilles qui commence à me taper sur l'estomac quand même. Oui, tu peux laisser aller, on écoute un peu de musique, ça va nous faire du bien. Oh même. Yes, yes it is. Les Samoans, oui, même s'ils perdent le ballon là-dessus. Sparta 7-8-2, bien sûr, il y a des matchs du foot tout le temps, 24-24, donc un mardi prochain, le France-Côte d'Ivoire. Nous avons considéré qu'il n'y avait pas assez de cotes en ce moment. Ouais. Non. Donc nous ne pourrons y participer. Non, par contre, s'il y a quelque chose avant le 26, dans la peut-être. Semaine du 19 oui, au 26, voilà, avant le choc. Un warm-up. Eh bien, peut-être, y serons-nous. De toute façon, on vous tiendra au courant dès qu'on le saura nous-mêmes. Vous le savez maintenant. Sans doute. Ah oui, merde.
Absolument, on en profite pour arrêter effectivement le il faut le laisser tourner au contraire. Bah cette fois, faut pas oublier. Voilà, faut pas oublier que dans une minute, il faudra s'arrêter le chrono. On rattrape. Accueilli pendant la guerre de Bosnie, mais il faut. Hein Madame Lange, je ne sais pas ce que ça vient à faire dans ce match, mais vous m'avez tout défoncé. Ok, changement. Lui a été bon. Ouais. La muraille qui sort et en fait entrer Fricou. Ouais. qui fit tout la dernière fois. Mais c'est précis. Les radios nous donnent des déclarations. Ouais. De... Alors en ce moment, c'est une déclaration d'impôt, ouais. Non ? Ah non, c'est rien. Si ? Non, plus maintenant. Non. Mais non, Jacques. Non, c'est le paiement de la déclaration d'impôt. Alors il y a Trouduc là qui. Trouduc, c'est fini. Hein. On sort, il revient en équipe de France et chaque fois il se. Rah ! Ouais. Est-ce que c'est lié ? Est-ce que c'est là ? Oh. Ah, il semble avoir Bobo déjà. Hein, qui Trouduc ? Oui, il semblait avoir. Ouais, là il se tient déjà, tu vois, il joue plus le truc. Ah voilà. C'est fini. Il sort et on fait rentrer Toussaint. Toussaint. Ouais. De saison. Attention le chrono, Kiki. Ah, il va peut-être repartir en même temps, dis donc. Ça va être fantastique. Ça serait magnifique. Ça serait magnifique. C'est magique. Alors là. Monsieur l'arbitre, 37-24, dans quelques secondes. T'appuies. Tant pis. La 61e. Bernard, t'appuies. Ah non, ouais. C'est pas reparti. Moi, j'attends que ça reparte. Okay. Le chrono, puis on devient fou avec ce chrono. On va arrêter ce chrono. Tadidas. Oui, c'est reparti. Je l'ai. Nous l'avons. Nous sommes reconnectés à quelques centièmes, hein. C'est vraiment des centièmes. À une seconde cette fois-ci, à une seconde. Oh, quelle merde, ça c'est décalé. Mais bon, une seconde, c'est si peu. Vous écoutez Radio Sportage, si. Les chronomètres, c'est important. On a une seconde de retard, mais nous sommes là bien en direct, bien ancrés. Trouduc qui sort, qui en a trop pris cette fois-ci. Et donc c'est un ballon récupéré par les Français sur le biais d'une touche avec une combinaison ou Fricou d'entrée. Un d'entrée Fricou. Ouais, qui rentre de nous. Qu'est-ce qu'on a Folfada, bien au sol. Oui, mais t'as vu, la perte de ballon, zéro chez Folfada. Ouais. 0% de perte de ballon, c'est... Pas de faute technique, c'est important pour un joueur. Efficacité redoutable. Moderne, oui, qui affronte là une grosse équipe samoane. Oui, il était attendu à l'intérieur quand même. Même si, dommage, il y avait un petit temps avant du côté français, ce sera une mêlée pour les joueurs au maillot bleu. Bleu comme les... Et c'est ça, moi. France, Samoa. Ah, Savoie, hein, le 6 de Samoa, le bon fromage. 15 de Samoa, en l'occurrence, puisque nous avions commenté le 7 de Samoa. Ah, c'est vrai. Cet été, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. C'était. Moi, il me semblait que c'était les Fidjiens. Attention à la conférence. Ah, ZZ Pot. ZZ Topo. Vakaunua Pop. Attention. Et oui, il sort Trouduc, et on le filme au niveau du short, Trouduc, toujours. Vous voyez comme c'est remarquablement fait de la part de Jean-Louis. Jean-Marie Crinière. Tiens, on essaie de nous mêler derrière, on va pouvoir peut-être... C'est bon, le chrono est bon, là. Ah, le chrono, attends, 49, 9, 10, oui, oui, c'est bien, c'est bien. Non, ça va. Cette petite mini-seconde. Ah, qui nous fait mal. Allez, ce sont de belles images. Profitons. La mêlée est stable. Profitons-en parce que ça pourrait ne pas durer comme l'emploi en France. Il fallait bien qu'à un moment donné, tu politises ce sujet, la mêlée, cette mêlée. Oui, c'est un problème. Ou alors, il faut justement, je ne sais pas, ils ne recrutent pas dans la mêlée des piliers de mêlée, des étayeurs de mêlée, je ne sais pas, les bons charpentiers de mêlée. Les actions de masse, les problèmes de masse, effectivement, sont un vrai problème. Et on le voit même au rugby, la mêlée est une action massive où il y a beaucoup de joueurs, donc c'est plus compliqué, c'est même plus foireux. Mais partout, il y a beaucoup de monde, pourtant ça marche. Oui, mais c'est plus dangereux, justement, il n'y a qu'à demander aux IST ce qu'elles en pensent. Veuillez nous excuser, nous avons changé de rue et finalement nous revenons au rugby après le rugby. Nous revenons au rugby avec régulière, des temps de parole que l'on attribue aux uns et aux autres. Et voilà. Sur la télévision, nous procédons nous-mêmes aux mesures, on enregistre, et ensuite on mesure parce que la puissance de la télévision exige que nous le vérifions nous-mêmes. Les radios, elles nous donnent communication de leur chef. D'accord. Nous, c'était 25 hier. Non, Jacques, c'est un... J'ai eu le chiffre direct. Non. Ah oui, c'est ça. Après, ce qu'on veut. C'est vrai. Là, il faut la sortir, Tabal Kiki, c'est fait, avec tonton par quoi, une fois de plus. Hein ? Allez, on rentre chez les Français, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est pas facile en ce moment de rentrer chez les Français. C'est pas facile, il y a beaucoup de murs et d'incertitudes dans les têtes qui ont monté ces murs. Et ce sera, une fois de plus, une mêlée.
vous en avez marre des mêlées. Eh bien, dites-le sur notre page Facebook. Nous en avons marre des mêlées. C'est nos vœux, ça. C'est nos vœux. Oui. C'est ce qu'on veut. Oui, et puis comme ça, ça nous permet de savoir un petit peu qui vous êtes, comment, où vous habitez, et puis transmettre tout ça au RG, et en prison tout le monde. Et fini la connerie, hein. Oui, enfin, sécurité intérieure, on ne sait plus comment ça s'appelle, tous ces gens qui nous surveillent, se surveillent. Et... C'est curieux, ouais. Ouais, il y a du monde, ça fait du boulot, tu me diras. Quand ils même. Nous endorment. Oui, toujours. Allez, mêlée. Encore ? Ben oui. Ah non, mais attends, mêlée, on l'a annoncé il y a 30 secondes. Ben oui, mêlée again. D'ailleurs, ils avaient arrêté le chrono, tu vois, parce qu'ils en avaient marre. Best the mêlée. On va pas y arriver, hein. Ah, sûr, oh, ça va passer à un moment donné. Bah non, avec pizza molle, pizza molle. On va reprendre dans quelques secondes le chrono. Non, mais c'est ça, tu vois. Non. Cela dit, c'est le rugby, c'est le rugby moderne, il est haché, il est parfois à chier. Oui, mais nous, alors là, on est concentrés. Maintenant, moi, je regarde plus que le truc en haut. Belle action, c'est vrai. La merde, oui, c'était une belle action avec Machemont. Machemont, non, c'est parti. Machemont, il y a un petit côté. Ouh, il y a Boutos. Ah, il y va, Wakna. Non, il n'y a pas eu de faute. Et regarde ça. Qui c'est qui repart? Tonton Pâquerette. C'est moi, Tichando. Oh, intervention lointaine. Dommage. De monsieur petit salé aux lentilles qui commence à coller un peu là. Il commence à s'alourdir, me semble-t-il. Il va falloir qu'il s'allège. C'était Huguette qui était passé, qui transmettait gentiment. On considère qu'il y a un en avant sur cette passe-là. Non ? Moi, est-ce qu'il s'est fait une pénalité ? Non, il va donner une pénalité pour le plaquage en retard sur. Ça pouvait ne pas suffire. Voilà. Vous comprenez, hein ? On discute. Vous avez compris ? Non, manifestement. Non. Alors que là, il y a. Dark Vador qui est apparu sur l'écran. Mark Vador, hein, qui est le spécialiste de la marque. Ah ouais. Il est sous, c'est lui qui confirme l'écran, ou pas. Hein, on a triple écran, c'est dommage que vous n'ayez pas l'image, mais là, il y a. Oui, il n'y a pas. Enfin, vous avez peut-être l'image, hein, sûrement. Mais... Il considère que c'est là, voilà. Il n'y a pas vraiment vrai. Oh, c'est juste plutôt volonté de l'empêcher d'y aller que. Il se place, c'est vrai qu'il se place un peu longtemps, hein, devant le joueur français tout de même. Allez, ils vont pas s'embrouiller pour ça, c'est dommage parce que ça a coupé une action qui était sympa et finalement. Je pense que c'est. Non, c'est une obstruction. Il le dit, il n'y a rien, l'arbitre, en même temps, pendant... Écoutez, obstruction à votre honneur. Et puis là, j'aurais pu arrêter. Obstruction à votre honneur. On va faire que ça, etc. Ah, mais voilà. Il ne faut apporter. Eh ben, tant pis. Réservation sur le site. Oui, mais c'est pas fini. En fait, on joue avec le chronomètre. Nous, on a trouvé notre truc sympa. Là, on a une minute d'avance, maintenant, tranquille. C'est cool, tout va bien. C'est quoi, une mêlée, une pénalité, un essai de pénalité, une transformation donnée, un changement de propriétaire. Dis-nous tout, Jean-Loup. Ah, mais si, regarde. Affichage, Jean-Loup. Regarde, s'il est beau ce stadium plein, quand il y a, regarde-le. 33 000 personnes, c'est ça ? Ah bon, ce soir-là ? Non, en totalité, normalement, quand il est rempli. Ouais. Me semble-t-il. Ah, c'est pas mal. Belle capacité. Yes. Bon, c'est pas le Mirail. Hein. C'est quoi ça, le Mirail ? 100 000. Entre 80 et 100 000 personnes, c'est quand même autre chose, tu vois. D'accord. Voilà. Souvenons-nous-en. Hein, bon, comme ça, on fait un petit peu de culture générale là, pour nos amis toulousains qui voilà, c'est suivre. Parti avec un grand building toulousain, mais qui va directement en touche. Ah, non, joli, joli. Là, il l'a bien. Oh, heureusement, la passe était pas terrible. Mais la réception magnifique. Ouais, elle est foncée. Maintenant, ça y est, on va marquer cet essai parce qu'il y a du sautoir qui est revenu, mais qui a ramassé très vite. Hein. Ah bon. Ah, oui. Et voilà. Les Français à 5 mètres, ça tombe, ça retombe, mais ça libère c'est le ballon. C'est toujours ça, allez. Jacques, tu le sais, Jacques. Voilà, là, il a essayé de passer entre les deux. Ah ouais, mais non. Mais les deux, là, quand même, ils étaient sévères. Ouais, non, ça n'a pas sifflé. Petit en avant, oui, mais il les tue sur les en avant, sur les bonnes défenses de la part des Samoans. Et petit en avant, Français, c'est dommage parce que c'était en pleine continuité, c'est loupé. C'était une occasion. Damage, bonne phase de jeu, manifestement. Oui, là, on ne sait plus à quel chronomètre vouer. Non, j'arrête avec ce chrono, là, je deviens fou. Oui, rattrape. Après, on garde un écart, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que si plus il y a d'arrêt de jeu, plus c'est pénible. Ah oui, là, on fait que ça, là. 53-45, on n'a pas un petit. On n'a pas de jingle, on n'en a plus. Ah non, 1975, c'est ça. Ah. Tentative de jingle, peut-être. Mais... École artistique. Sportaz présente son école artistique. Aïe ! Les invisuels. Faites de la radio. Pas de visuel. C'est un joli nom. Avec Radio Sportaz, l'école artistique vous ouvre ses portes. Samedi 16 mai 2019. Ouh !
ouverture de l'école artistique de Sportaz. Avec Sportaz Foundation. J'ai à votre intérêt. Tu es fou de 53 minutes de jeu, 26 à 8 pour les tricolores, certes, mais il n'y a que les Samoans qui ont marqué des points en cette seconde période, Jacques. Il faut le signaler, ça fait quand même un petit moment que ça dure maintenant. Oui, le tricolore adverse de rien. Mêlée, c'est notre drame, la mêlée, il s'y passe beaucoup de choses. C'est un drame collectif, c'est même un échec du rugby moderne. On peut le voir dire comme ça, Jacques. Bravo, bravo, j'aime beaucoup ta formule. Échec du rugby moderne. Ah là, pour l'instant, le problème de mêlée. Ah, ça va. C'est la meilleure des mêlées. Le coq est là. Oui, la bonne action. Regarde ça, comment ils se sortent du guépier. Les Samoans, s'ils peuvent aller au bout. Non, il peut pas aller. Pas du tout alors. Il s'énerve, il se tâte, il se tâtonne. Est-ce qu'on se bat, on se bagarre? Non. C'est très bien. Non, c'est solide et c'est du poli, mon garçon. C'est du professionnel, dirait-on. Il le sait qu'il a ramassé et donc il ne peut pas se... Oui, heureusement qu'ils étaient deux tout de même à arrêter le déroulé samoan. Oui, c'est gentil, c'est du rugby gentil pour le moment. Là, il ne se passe finalement pas grand-chose. Mais s'ils ont ce niveau-là face aux Australiens et aux Lacs, ce sera Jacques, je pense, un petit peu juste tout de même. Voilà, j'aime beaucoup cette musique. Hein. C'est vous qui l'avez faite. L'aboutissement est comme mesure de tout, il y a... Ah, merci, c'est la mesure de tout, l'aboutissement, d'accord. D'accord, non, vous notez, donc, chapitre 12. Bon, je vous rappelle quand même ma demande, si vous nous entendez, je sais que vous êtes maintenant assez nombreux. Si vous nous entendez, n'hésitez pas à essayer de nous joindre sur la page Facebook de l'émission, c'est une demande avec encore un passage. Tout seul, French is good. Je me demande s'il n'a pas entendu un petit peu pour lui faire la passe. Et... En tous les cas, c'est Fricou qui marque cet essai sur une belle petite percée du numéro 7 français, me semble-t-il. Jean-Louis, tu vas nous remontrer ça parce que tu es gentil. Jean-Louis, si gentil, maintenant et ici. Allez, Jean-Louis, montre ton cul. Voilà la touche impeccable des Français. Un peu de vitesse, on transperce et on trouve à l'intérieur. Fricou. Facile, Jacques. Hein, facile. Flicou sur ce coup-là, qui n'est pas voyou, voyez-vous ça? Flicou, voyou. Il n'a pas le 23, non, il n'a pas le 22, Jacques, il a le 23. C'est dommage, on était pas loin quand même de tomber juste. Et c'est assez... C'est pour ça qu'on sait pas. Et c'est français. C'est pour ça qu'on sait pas. On sait qu'il y a essai. Si c'est Flicou, voyou. C'est pour ça qu'on sait pas. Qui a essai? Flicou, voyou. Ah, s'il vous plaît, derrière. Allons, posez-vous. Attention, tentative de transformation française. Allons, enfants, c'est donc Jean-Pierre Romain. Non, c'est Mokhtar Mochenou qui va tenter. Tentez le coup. La balance. Il est parti. Au milieu. C'est dedans, c'est goal. C'est de Dune. C'est goal. Ouais, 56 minutes, 52 secondes sur notre chrono. Ça, c'est ce qu'on a, nous, sous nos yeux. Et le reste, on s'en fout. C'est bon. Donc il reste environ une bonne vingtaine de minutes à jouer. Hein, d'accord, Jacques? Oula, il y a un coup tordu, là. J'attends, je vois un coup tordu. Attention, Jean-Louis. Je vois dans ma boule. Oui, mais j'espère bien. Attention, 56, 58, 57, ça va passer à 57. Ah non, mais on est en avance, c'est bon. Ouais, très bien. Alors, équipé par... Un petit peu d'avance de 10 secondes, dizaine de secondes. Attention, Ouattaka. C'est parti. Ouattaka, normalement, ça bouge plus quand vous êtes calé sur nous. C'est-à-dire normalement, ça bouge très peu. Oh, quel plaquage. Ah ouais, il l'a fait reculer, il l'a empêché de jouer. Joliment fait de la part des défenseurs Samoa. Qui nous bloque chez nous. Ouais, là, il a tout arrêté parce que sinon, il y avait un décalage de fait. Ouais, parce que là, super. Nous sommes obligés de relancer ou de défendre. Un peu les deux, défense, relance, on ne sait plus. On attend, je sais pas, que le bus arrive, que le train passe, que l'avion, hein. Oh. Ouais, bon. Dégagement, voilà, comme Suspreddy. Oui. Ah, joli, Suspreddy, donc. Freddy, oui, mais Suspreddy, je ne vois pas. Ça doit être un prénom américain. Un thème qui a traversé la peinture, il y en a... Ah oui, merci Jacques. Hein, ouais. 58 et 33-8 pour l'équipe de France. On ne peut plus s'amuser à faire la rime entre le Samoa et le 3. Ah, ouais. Avec le 8, c'est le Pacifique. Ah, ouais, Jacques, presque. Presque. T'as failli manger. T'as failli. 8 et Pacifique, ta mère, oui. Tu me fais la guerre. Attention.
On a poussé alors qu'on était en l'air. C'était une faute de la part des Français. Eux, les Samoas, vont pas tenter la pénalité. C'est vrai. C'est vrai que là, le panache est de leur côté, on peut le dire. L'esprit rugbystique premier. Absolument, c'est ça. Attends, je dors. Pardon. Oh, ça va nous faire un peu de vacances. N'oublie pas sur la page Tout un monde du site. Sur la page Facebook, madame. Sportas Family. Oui, peut-être qu'il faut le dire comme ça. Sportas Family. Sportas Family, F-A-M-I-L-Y. Voilà. Alors, vous tombez chez un mec, là, mais c'est bien là. N'ayez pas peur. Vous tombez chez un type, un homme curieux, mais c'est bien là. Vous nous trouverez. C'est important. Bah non, Samoa, une trentaine de mètres de l'ambu français, de la terre promise. Oh, regarde ça, la belle petite sautée. À noter, le prochain projet de Sportas Foundation, créer un think tank d'assaut. C'est quoi, c'est une arme? Think tank d'assaut. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Pour avancer vers le Pacifique. La chenille est un peu grippée, là. Croquette, ces explorations. Oui, croquette. Think tank Sportas, bien sûr, bientôt. On va se ralentir. Mais pas avant 2020, hein, vous voyez bien, c'est tout à fait difficile à passer le 21e siècle. Merci Jacques pour cette précision ultime. 60 minutes, nous jouons depuis une heure. Tout ça n'est pas sur la page Facebook, si vous dire, si on en avait besoin. Ouais. On en mettra, dès qu'on aura le temps, on essaiera de glisser quelques petits trucs dessus. Mais en attendant, bien sûr, les demandes d'amis. Oui, attention, l'Italie avec Tino Rossi. Tino. Toto Coutinho. De la Scudetta. Magnifique. Qui va nous marquer l'essai. Attention, face au Brésil, l'équipe d'Italie qui n'est pas favorite. Comment? Ce mondial 94. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Allez, avec Maffetoli. Maffetoli. Madrazi. Ah, il la donne, oui, c'était le moment. Non, messieurs, lâchez le ballon, mais pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la bataille du Pacifique là, avec Pepe Boynton. Boynton qui sort le ballon. Ah, bien pris. C'est quand même relevé, mais grave. Flicou qui balance tout. Ça, c'est pas inintéressant, effectivement, c'est d'obtenir une touche. Ah, c'est dommage. Oui, mais au moins, ça fait respirer le jeu. On est en train de s'enfermer. Il y a autre chose à faire quand même là. Ouais. Non, sérieusement, il y a autre chose à faire. Et on voit ce joli plaquage et surtout le beau grattage. Il montre très bien qu'il a lâché le joueur et ensuite il va lui récupérer le ballon dans les bras. Puis alors là. C'est trop tard. Ah oui, là c'est du costaud là. Il récupère le steak là, il a faim, il a bouffé du truc. Jean-Louis, tu peux pas bouger cette voiture, bordel, quoi. Ça gêne là, quoi. De bonne foi. On voit la bonne foi là-bas, là. Hein, la fourrière. C'est pas là-bas. Oh, c'est pas très loin, la barrière de Paris. C'est pas loin. Elle fait pas chier. Appliquée aussi aux télés associatives. Oui, absolument, madame. La fourrière pour toutes les télés associatives. Bien vu. Le ballon est récupéré par papa et Samoa qui vont se dégager tranquillement. Mais oui, voilà, c'est fait. Voilà. Intelligemment, eux aussi, ils font chuter la pression qui pèse sur eux. Et Jacques, je te rappelle qu'ils sont pour l'instant dans cette seconde période meneurs au point. Hein. Il faut. Waouh, regarde ça! Ah oui, l'Ovalis! Et sans Futuna. C'était un doublage, excusez-nous. Ouais. Bravo Jean-Louis. Allez, avec François Olivier Gibert. Non, c'est Kit et Kat là, hein. C'est lui, c'est le remplaçant du capitaine. Ah, pardon. Kit Kat, oh, le maçon. Il est tombé de l'échafaudage. Pourri. Heureusement, c'était pas très haut. Non, c'est vrai, Jacques. Il ne s'est pas fait mal. Non. J'ai eu peur. Non, ça s'est bien passé. Et du coup, la passe passe. La passe passe et le ballon passe chez les Samoans. Bien vu. Samoans merde, hein, un peu maintenant quand même. Oui, les Samoans qui n'avancent pas plus. Hein. Non, ça devient difficile pour eux aussi. Et oui, attends, physiquement, il faut y aller au charbon. Là, ils n'ont peut-être pas les remplaçants que les Français. Ouais. Blue Sky, c'est du volet maintenant. Oui, c'était quand même limité comme combinaison. Et il l'envoyait au charbon directement. Hein. Pas d'avantage, manifestement, pour monsieur Petit Salé aux lentilles. Petit Salé aux lentilles, alors que lui, on aurait dit qu'il s'était fait ouvrir à la gorge. Là, ça m'a retourné les tripes. Est-ce qu'il y a une bassine quelque part là, ça m'a... L'exercice est si difficile. Oui.
Des rédactions confirmées de grands médias nous disent que c'est un casse-tête. Donc on ne peut pas dire à des télévisions qui sont autorisées pour, des, pour une période temporaire, qui sont des télévisions à laisser en quelque sorte. Laissez Merci Jean-Louis. Merci monsieur. Merci monsieur d'avoir tenu vos 10 secondes. D'essayer. Vous êtes recalé. Oui, oui, ça n'a pas transformé, tout simplement, Jacques, tu peux le dire. Mais là, on a revu quand même l'action pourrave. Mais allez, on y va. Oui, oui, allez, on y va. On va finir. On va finir ça. Pardon, avec 63 minutes action, et 36 secondes. Je ne sais pas, il y a un petit décalage plus que jamais. Mais je ne m'explique pas tout avec tous ces chiffres que nous avons sous le nez. Mais non, Jacques, 63, c'est 1h03. Mais c'est ça. Donc c'est tout bien ce que je te dis. Je ne comprends plus rien aux chiffres modernes. Ballon sorti pour l'équipe de France avec Jean-Pierre Rive. Oh, il est passé. Je crois là. Oui, bien vu. Ville-Pau, tout ça, là. Magnifique. À moins que ce soit de son gars. On va voir ça gentiment au ralenti. A-t-il d'abord touché le poteau avec son pied? Oui, c'est possible. Et alors, marqué avant, cela voudrait dire quoi? Ce serait une touche. Bien au bénéfice Vous écoutez Radio Sport. Ouais. Sur le net. Et regarde cette transmission malgré tout. Voilà qui est joué. Va-t-il toucher le poteau On le verra pas là. Je pense que non. Je pense que l'essai est tout simplement valable avec cette superbe passe de la Fofana et l'accélération monumentale. D'ici on le verra pas. Essai français. À l'instant où je vous parle, la France vient de marquer. Eh bien, le score enfle. Le score enfle ici. Oh, Jean-Louis, tu l'as trouvé, hein, l'objectif fichaille. Il est content. Joyeux Noël, Jean-Louis. Allez, un de plus pour les petits Frenchies. En direct de Toulouse. Alors, ça nous laisse quoi quand même? Un petit goût mitigé dans la bouche. On sent qu'il y a des possibilités, mais on sent que c'est pas complètement abouti quand même, voilà. Ouais, ah, abouti vous-même. Manque un peu la sauce. C'est-à-dire, oui. Non, le petit adjuvant, le truc qui va avec, là, le petit superflu qui... Oui, c'est un travail sérieux, c'est vrai, mais on manque un petit peu de magie. Voilà, c'est peut-être un petit peu, même si par moment, par fréquence, on sent qu'il y a un potentiel tout à fait intéressant à explorer. Ouais, ouais, peut-être on est à Toulouse. Ce jeune garçon, peut-être un petit peu de magie, chère fille, quoi. Ah, bien vu, Jacques. Un peu de poésie, oui. Magicien du mot. D'ici, quartier où tu veux. Restons sensibles. Vous avez des bizarres? Ballon dans les mains de Kitekat. Kitekat qui a fait lui aussi qui fait un petit tour sur la pelouse qui est quand même assez conséquent. Il s'en sort pas si mal. Encore la pression française, ils en veulent encore. Again, again, la vague française. Oh yes, Flicou, t'as vu, on se débarrasse pas finalement du ballon. Avec Muriro. Le jeu au pied n'est pas tout à fait. C'était le centre français, la Muriro, il est sorti. Oh là là, derrière c'est terrible ce que nous entendons. Avec la gomme bleue. Ah oui, ça continue. L'équipe de France tente, essaye de jouer intelligemment, de se faire des passes. Non, elle a perdu le ballon au bénéfice des Samoans qui vont accélérer tout tranquillement. Ils percent. Ils pénètrent, ils avancent. Ils sont sur la plage de Long Beach. Oui, jeu, c'est sur pas mal. Ils sont en train de nous déborder, mon général. On est tiré à la défense française. On est sur le côté droit dans les 22 mètres françaises. Ça nous commence à nous replaise. Il a éclaté la tête là. Calme là-bas. Michael Jackson nous. Il a tout défoncé la ténouse. Oh oui, non, je sais pas où il a tapé, mais là il a tout pété quoi. Ouais, t'es obligé de tout interrompre. Oui, Jean-Louis, non, c'est arrêté, ils arrêtent tout. Arrêtez. C'est dangereux quoi. Il y a une image terrible, on a vu un zébu samoan. Alors qu'on est obligé d'intervenir. Une petite chatte française. Avec le Mark Vidor. Oh là là, la tête, il lui met la tête. On a eu peur, hein, non. Franchement, même le public s'est planqué tellement. Ça fait mal, non, même au ralenti, ça devient gore, Jean-Louis, au ralenti. On voit tout qui bouge et tout, tu es fou. Non, arrête. Oh, il lui a tout éclaté.
Ouais, ouais, non, c'est du déblayage industriel. Artisanal, je dirais, moi, mais industriel. Non, franchement. C'est un faut arrêter de montrer l'image. C'est massif, je le redis, industriel, massif, ça ne. Il a éclaté, il lui a tout éclaté. Il ne peut pas être bon aujourd'hui. Il a mis le maxillaire gauche au niveau de l'oreille droite, et heureusement, le capitaine mardi français. Pourtant, les voyants sont repassés au vert. Ah. Les voyants sont repassés au vert. Lui, par contre, la vue, elle va pas repasser tout de suite. Hein, là. Ça va être difficile. Ce tableau, acrylique sur toile. Il reste sur la pelouse, il n'est pas averti, rien du tout. Je crois qu'ils vont le soigner au retour. Ça bouge trop là, Jean-Louis. Ouais. Jean-Louis, ah, calme, Jean-Louis calme, ouais, calme. Ouais, trop de mouvement dans ta caméra, Jean-Louis. Hein. Tu pues, hein, Jean-Louis. Ouais. Nous avons arrêté le chrono, hein. On est un petit peu en avance, mais nous avons pensé à arrêter le chrono cette fois-ci. Nous avons essayé de le récupérer. Good job. Ça reprend ? Oui. Non, tranquillement. Allez, 13 minutes à jouer dans cette... Si, le chrono a repris. Dans cette confrontation, oui, mais j'attends qu'il rejoigne le nôtre, tu vois. D'accord, oui, bien vu. Dans 15 petites secondes. C'est cela. Un petit peu. Ça reprend, on en reprend, vous en reprendrez. Ils en reprennent une touche au bénéfice des Blue Sky. Ouais, enfin, on a vu quelque chose de sympathique. Dans le camp Samoan, oui, c'est bien, 28, c'est bien, 29, 30, voilà, on est bien, on est recalé. Voilà. Calons-nous. Calmons-nous également, parce que là, le joueur Samoan a énervé tout le monde. Hein. Le public est sur les dents, ça sent la tripotée dans quelques instants. Ballon récupéré par Pizzamol. Pizzamol qui lui aussi fait quand même un match extraordinaire. C'est bien, il garde le ballon, il rend vivant. C'est fou parce qu'il n'est pas plus impressionnant physiquement que tous les autres, mais il a une stratégie du corps, une puissance qui sont exceptionnelles. Une optimisation de lui-même. Absolument, Jacques, c'est très beau ce que tu dis. T'as jamais pensé à faire coach, non hein? Cocher, oui, mais... Les cases, alors. Coaching, peut-être, mais... Alors, coaching. Attention, ouverture française, dangereuse côté Samoan. Ouais. Voilà, on reste groupé, les gars. Alors, on va essayer d'aller marquer quand même un essai, histoire de dire qu'on était les plus forts. Bien évidemment, on le sait maintenant, vu le score. Oui, mais enfin, les essais dans le Pacifique, hein, on vous le rappelle, ce n'est pas que de bons souvenirs. Merci encore, Jacques Chirac, et ses prédécesseurs et ses suivants. Merci Jacques, tout simplement de le rappeler. Le ballon est français avec Pudding qui met à l'intérieur, joli pour Huguette qui transmet. Oui. Oh, Flicou, mais ils étaient un peu seuls, Flicou, sur le coup. Allez, Baptiste, c'est un essai supplémentaire. Non, défense. Il pensait y aller avec sa puissance, et bien non, il s'est fait sortir comme il faut. Très bon geste défensif samoan, et ça nous rassure les niveaux de jeu de ces petites équipes, somme toute. Samoan hommage. Une île d'aile. Oui, vas-y, continue. Une aile d'île, un îlot. Tu flottes en ce moment. Oui. Affecter les joueurs sous contrat avec la marque. Quel superbe plaquage sous contrat, de Tonton Pâquerette. Ah, Tonton Pâquerette n'est pas sous marque, d'accord, on me dit que ça dans l'oreille est gauche. Voilà, t'aurais pu me dire d'arrêter le chrono, mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne le vois pas le chrono en fait, et je ne vois pas les chronos. Non, c'est ça, c'est terrible. C'est une responsabilité qui me dépasse totalement. Il va falloir que je vois les chronos. Il va falloir qu'on engage un mec pour le chrono qui vienne le faire lui tout seul. Un chronomec. Il faudra un chronomec. Un chronomec, s'il vous plaît. Inscrivez-vous sur la page Facebook Sportas Family. Voilà, Sportas Family, F-A-M-I-L-Y. Bien. Attaché minuscule pour une émission majeure. Depuis 1994. Ah, c'est une mission pour l'émission, ça on peut le dire. Oui, bonne prise de balle des Samoans qui vont pouvoir se dégager ou relancer. Il se le joue vite quand même. Oui, un peu vite, mais il y avait peut-être un hors-jeu français, que sais-je. Ouais, il a mal, là celui qui a ramassé, il a mal, il va falloir qu'il sorte, qu'il arrête. Et on va dégager ce ballon voilà, du côté Samoan. Attention, on va reprendre bientôt. Forcément. 23, c'est parti, on reprend le chronomètre. Allez, on a 3 secondes, c'est bien le décalage. Non, arrêtons. Les Françoises. Arrêtons avec ça, les Françoises. Encore on est passé. Embêtant pour les Samoans. C'est Flicou qui faisait tout ça. You get me laugh. Ouais, mais Huguette, elle s'est fait bloquer les draps et les bras. Ah, Huguette sourit. Yes it is. Bon après-midi tout de même, d'état d'esprit. Qu'est-ce que tu dirais? Tu dirais que c'est une belle sortie de la part de cette équipe de France ou que c'est du mitigé? Non, je serais simple. S'il n'y a pas d'état de spray, il y a un bon état d'esprit. Merci Jacques. Pchit. Ça fait pchit. Que ce soit vis-à-vis des courants politiques. Voilà, par exemple.
Il intervient beaucoup, Marc Vador, là, sur, sur la télévision française. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrêté, ah, du coup. Est-ce que c'est arrêté? Ah oui, tout est arrêté. Il y en a marre. Il y en a marre de ce rugby qui s'arrête. Ah oui. C'est ça que je veux dire. Parce que là, jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Là, un en avant pour cette passe-là. Ce serait pour ça qu'il nous arrête tout le match pour ça, là. Oh non, non, non. Ouais, peut-être qu'il faudrait venir comme pour le tennis, qu'il y ait un maximum à ne pas dépasser par mi-temps d'utilisation de la vidéo. Ouais, ça devient non, un peu chiant. Qu'en pensez-vous? Jacques, je pense plus. Je regarde et je me dis que peut-être qu'il faudrait tout arrêter. Peut-être 6 interventions vidéo maximum par mi-temps. Ah non, et puis en plus elle est longue, on sait même pas pourquoi. Pourquoi Focus on... Ouais, enfin, non, voilà, là tout va bien. Et de surtout d'être respectueux de tout. Ouais, d'être respectueux de tout le monde. Ah, il réclame le. Voilà, si c'est normal, avant, je sais pas. C'est un petit peu marre, c'est un test match en plus. Hein? Écoute. Il réclame, voilà, ce qu'il réclame, c'est juste une histoire de coude en avant dans le thorax. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'heure. Moi, je peux dire le chrono. Oui. Cette fois-ci, il est chaud. On voit ça, et effectivement, il part avec le coude en avant, et là, donc c'est interdit de le faire, nani, nana. Et c'est encore le numéro 7 qui avait déjà ramassé le coup de tête tout à l'heure. Ouais. Visiblement, il les ennuie un petit peu. Et ce sera donc une mêlée au bénéfice de qui? Au bénéfice de Samoa. De Samoa, hein, oui. L'en avant est supposé être français. Oui, dans le camp, français. Une heure dix, ce serait combien une heure dix? 70 minutes. Ouais, 109. 109 minutes, donc voilà, il faut attendre 110, donc 70, je retiens dans 10 secondes, il faut que tu redémarres dans 10 secondes, oh, c'est terrible, dans c'est 10 c'est... secondes, ça va être parti avec la mêlée qui enchaîne, Mochno, non c'est plus Mochno, Mochno, la France, c'est la France, en séquence, yes, son cadence, la France, Lulu Wakata qui récupère, c'est Pouling, attention à lui, oh Pouling, chute. Ouais, les Français qui récupèrent, oui, c'est tranquille, bien. Tranquille, on se calme. Non, laisse-la. Touche pas mon ballon. Et toujours, Pizza Molle. Il faudrait un peu le laisser un peu souffler, Pizza Molle, le temps. Oh, alors, il donne ce ballon impeccablement. Et là, un petit coup de pied intéressant, mais... Bien pris ouais. Par celui-ci. Oh, dommage. Dommage pour la relance, Samuel, effectivement. Ouais. Il est tombé sur Pepper, là, derrière, mais c'est dommage. Il avait bien capté le ballon, il pouvait relancer et ouvrir un boulevard à un partenaire, mais il s'est fait catapulter en touche. Misérablement. Et on revoit cette action d'en haut, grâce à Jean-Louis, d'en bas. Et du sud. En face se trouve... Oh, c'est dégueulasse. En face se trouve la tribune. Absolument, voilà. Oh, quelle belle image. Bravo, Jean-Louis. Double image avec la chute du... Et puis le... Retombé. Attention à cette touche, elle est importante à tout bénéfice des Français. Voilà le jeu de jambes de Mohamed Ali impeccable face à Tony Moscana. Moscana, qui est déjà tout formidable. Là aussi, Jacques a balancé deux noms en un seul. À vous de les reconnaître. Et intervention de monsieur Petit Salé Olanti qui finit mal, quand même. Il finit cuit. Alors, c'est arrêté le chrono, oui ou non, Jacques? Tu me dis si c'est arrêté, parce que là. Ah, c'est là, ça. Si non, ça il s'arrête, pas arrêté, c'est pas non, arrêté. Il est pas arrêté, attends, il va s'arrêter. Regarde bien. Mais pourquoi ils arrêtent? Arrêtez d'arrêter. Il y en a marre d'arrêter. Il était interdit, il faut arrêter d'arrêter. Ouais, non, parce que là, tout le monde s'arrête. Bon, hein. Allez, on continue. Mais non, du calme. Beaucoup du calme. Recevons-nous notre première demande d'amis en direct. Est-ce que, ou alors peut-être il faut relancer la page, peut-être ou... Oh, je ne sais pas, je ne non, sais pas tout ça. En fous, c'est pas le moment que les gens s'inscrivent. Ils s'inscriront après le match, tranquillement, le temps de profiter de ce match en direct. Les émotions sont là. C'est là, justement, c'est pour les partager instantanément. Non, monsieur, il faut que je digère la situation. L'équipe de France, Sportage Family. C'est les problèmes internationaux, sentimental, trumpet de la mort, que sais-je encore. Et le chrono, c'est bon. Il n'a pas bougé le chrono. Le ballon est là. L'avancée française avec Verdun. Ce chrono, j'arrête. Moi, c'est la sur Garonne, bien sûr. Bien sûr, sur Garonne. Pas loin, donc, du stadium. Allez. Alors, est-ce qu'il peut transmettre? On cherche Pinzagel, mais Pinzagel se fait taper dessus. Oui, pour bien enfoncer. Ouais. C'est pas du jeu. Allez, on va chercher Balma. Balma de Mallorca. C'est une intervention de monsieur Petit Salé aux lentilles qui déplace le tout de 5 mètres. Oui, qui monte en température. Oui. Non, ça y est, je pense que là, quand même, les lentilles vont commencer à être un peu purées s'il n'en sort pas maintenant. Là. Il va falloir y songer. On va le mettre à petit feu. On va lui ralentir un petit peu le rythme. Je vais prendre un petit truc.
Ce sera une mêlée, le drame du rugby, mêlée donc. Ah ouais, ouais, non. Au bénéfice des savants, me semble-t-il. La mêlée ailleurs, quoi. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Si on enlève la mêlée, ça va de plus en plus se transformer en plus en foot américain, joueur à 13, oui, on sait plus trop, quoi. C'est un peu ça aussi. Oui, merci. Merci, Jacques. Merci. Production, merci aussi à la production. Merci tout le monde. Ouais, écoute, bravo. À celui ou celle, non, à vrai, ceux, à qui. Sportage 783. Écoute, oui, ça augmente. Ouh là, ça y est, il refait la tête. Il remet la tête. Il est en train de revisser la tête. Et là, c'était pas facile. Visiblement, ça a coincé un peu. Oui, non, c'était des gestes pacifiques, plasticiens. Oui, Jacques, absolument, je ne le nie pas. Allez, on y va à l'ostéopathie peut-être, sûrement, mais si elle est pâtie. Mais les puissances françaises ont essayé d'y aller comme ça. Ok, mais évidemment, ils veulent marquer son essai. On vous guette aussi. Hein. Ah oui, effectivement, il était surveillé par la défense samoane, était très près cette fois-ci, pénalité de nouveau. Position de hors-jeu encore de la part des Samoans qui sont obligés de s'y mettre pour éviter, Jacques, le drame, hein. c'est sûr. Ils veulent éviter les 40 points, ça, je pense qu'ils l'ont en tête, pas... Ne pas passer aux 40 points, sinon c'est ils nous ont planté un essai tout de même, c'est beau, fort beau. Ah oui, très joli. J'ai même cru à un moment qu'ils pouvaient l'emporter, vous comprenez, j'avais misé sur eux, j'ai quand même perdu 300 balles ce soir. Hein, vous misez facilement. Hein. On voit ça gentiment. Et le petit contest qui était litigieux quand même de la part du joueur plaqueur. Hein ouais, on a dépassé l'heure, hein, 1h15, 74 minutes, 45 secondes. Bon, pourquoi pas pourquoi pas tout ça. Oui, normalement ça tient, hein, on va pas être coupé, il y aurait pas de. Non, c'est ça bon. Se fait pourtant, tout est maintenu, beaucoup plus que cette mêlée, bien qu'elle aille. Elles vont mieux, hein, ces mêlées depuis deuxième mi-temps. Ils en ont marre d'aller au sol, de bouffer la pelouse, effectivement, parce que là, La France défonce tout. Pizzaman, les gars, les maîtres. Partout, non. Ou alors ce sera un essai de pénalité, voilà, c'est signalé par. Monsieur Petit Salé aux lentilles, essai de pénalité pour l'équipe de France. Coréen, de la tête comme du pied, mais il ne trouve pas le cadre pour l'instant. Hein? Qu'est-ce que tu regardes, Jean-Louis? Commence à souffrir. Jean-Louis, tu regardes quoi comme match? Jean-Louis, t'es sûr de faire 8? Voilà, et puisque le week-end n'est pas fini, je vous invite à visiter dès ce soir. Oui, c'est jusqu'à 21h. Qu'est-ce que tu as mis comme chaîne, Françoise? Tu regardes quoi, toi? Pendant ce temps-là, on revoit cette image terrible au ralenti d'un paquet qui se délite complètement. Et la bataille pour le ballon, Pizzaman qui veut mettre l'olive. Et c'est Pizzaman qui a mis l'olive, c'était sifflé. Eh oui, comme au bénéfice du tricolore. Comme quoi, il n'y a pas confiance qu'il y a un problème d'élite. Ouais, d'élite, alors hein, on en fait. Allez, ça va rentrer peut-être Jean-Baptiste. Oui, bien sûr que ça va rentrer, Jacques. Poquelin. De la Croix. Va donc tenter cette transformation assez facile pour lui quand même parce qu'il a l'habitude de taper entre les perches. C'est parti. Ah, c'est parti, c'est dedans, bravo, magnifique. Ça fait trop deux petits points de plus pour l'équipe de France qui cette fois-ci cartonne la gueule du Samoan qui était venu nous chatouiller le rugby. Opération Figo. Opération Frigo. Derrière. Oui, ouais, une dernière pour moi. Une petite opération Frigo. Substitution, un changement apparemment. Ah bien Jacques, bravo, bravo Jacques, putain il a compris, substitution, here we go now. Ok Jacques, yes. Ok. Ah, ballon trop long, trop long pour les Samoans, même trop si, long. Oui, parce que là il n'y a aucune chance soit de récupérer, soit de mettre à manger. Là. Trop laid, ça veut dire quelque chose, donc trop long. Trop long, oui trop long, c'est-à-dire que la distance n'est pas bonne, si tu veux. Il aurait dû retomber un petit peu avant ce ballon, tu comprends. Oui, mais ça répond pas à mon trolley. Mon trolley, alors qu'est-ce que c'est? Montre-les, mais vas-y, montre-les, puis arrête de me casser les murs, d'accord. Non, mais alors, le ballon est sorti par l'équipe de France qui va mettre un point d'honneur, aller encore marquer un dernier essai pour passer les 50 points. Cette fois-ci, comme ici, ils sont 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, intérieur, 1, 2, 3, les Samoans n'ont plus envie tellement, ils font un petit peu. Ils évitent la blessure, les Samoans, maintenant, quand même, dans les plaquages, ils préfèrent quand même. Blessure des 40 points, n'est pas négligée. Oui, mais celle-là, elle leur permettra de rejouer le week-end prochain, tandis que la fracture de la clavicule, c'est pas tout à fait la même. C'est sûr. Et donc, l'équipe de France rentre désormais dans l'embus samoan, comme Jacques rentre dans toutes les boîtes de nuit toulousaines. C'est à dire. Efficacité, bien sûr. Redoutable. Regardez-moi ça. Il a le choix à gauche, droite, il a choisi la gauche, c'est un choix quand même un peu litigieux. Hein. Oui, je dirais audacieux. Oui, absolument. Presque pas naturel.
En tout cas, ça fait quoi, un 5e, 6e essai? Ah, oh, 200, 300, 400, voilà. Jacques, maintenant. Là, on passe à 400. Oh, 400 kilos d'essai, là. Je vous en mets pour combien? 400 kilos d'essai. Faites les marioles, la semaine prochaine, on rigolera moins. Dans 15 jours, hein, Jacques. Non, mais là, oui. Ah oui, l'Australie aussi, bien sûr, sur son même. On sera pas là. Oui, mais... non, pardon. On sera pas là, mais. Rien ne leur sourit. Ah non, Samoa n'a rien. Plus rien ne leur sourit, sauf les gens qui les croisent, qui les saluent, qui les apprécient, qui les aiment. C'est ça aussi, quand même. Yes, it is. Le Pacifique. Allez, un plus 2, peut-être, pourquoi pas, pour côté français. On rappelle qu'à la fin du match, on enlève 3 points. Hein, une pénalité, non, salope. on retrouve un petit peu le thème du début. Cette pénalité sale, sale et hop, c'était 3 points. Donc, effectivement, Jacques, on les retirera. Une salope pénalité. Oh, lui, quand même, là, il nous prend un peu de temps pour une transformation qui n'a pas besoin de... Si, quand même. Bon, ouais, alors, ouais. Besoin pour les écrans. Allez, vas-y, Kiki, tu veux finir le match tout seul ou quoi? Sa famille, je ne sais pas. Il avait dit qu'il passerait à la télé. Sérieux, c'est dedans. C'est dedans. Oui, certes, c'est dedans. Il s'est appliqué à mort, mais c'est dedans. Fini. C'est fini. Non, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Oh, Jean-Louis, il attend un petit peu encore. Il est con. Et lui qui aura fait quand même une belle rentrée. Olive double. Ça fait deux fois qu'il leur fait le crochet à l'intérieur. Il l'avait pas compris. Ouais, oui, c'est correct. Là, ça va. On aurait pu y aller. Voilà, 52-8. Ouf. Oui, c'est quand même c'est correct. C'est un petit peu costaud. Ouais, oui, voilà. Ça... Le suspense a été relatif, hein, on dira, Jacques, c'est allez, ça. Los Angeles. Regarde, lui, il continue avec 3, 4 dessus, il libère même la balle. C'est absolument fantastique ce que sait faire ce mec. Ah, ça fait honneur à Ginov, donc l'entraîneur emblématique du Stade Toulousain, qui est revenu donc dans ce Stadium de Toulouse à Toulouse. Hein, même avec l'équipe, pas, oui. Il jouait pas ici forcément, au Stadium, bien sûr. Ah, il y a joué quelques fois, quand même. Quelques fois, bien sûr. Avec même des grandes victoires. Bien sûr, avec l'équipe de France aussi. Bien sûr. Eh bien oui, ce match est tout à l'honneur de ce grand joueur, maintenant entraîneur de ces Français, de tout le rugby français. Absolument. Alors bon, ils auront une semaine, hein, merci Jacques, pour tout le reste. Mais ils auront une semaine quand même pour aller chercher un petit peu plus de, je ne sais pas quoi, mais peut-être de rigueur, de justesse technique, de précision, de maîtrise. De vitesse et de maîtrise. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bien évidemment. Gentil de confirmer, nous sommes dans le taré de jeu. Eh oui, le chronomètre, Piou. Toujours l'écoute des programmes de Radio Sportaz live. Oui, net. Hein, parce qu'on fait plus que ça, du live de toute façon. Mais maintenant ça passe mieux comme ça. Oui. Mais bon, à un moment on a bien essayé le différé, mais en fait c'était pas du direct. Non, le différé n'a jamais été du direct. Et quand même mettre 22 ans pour s'en apercevoir, c'est quand même dramatique. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, merci, vous avez raison. Allez, le Samoa, un dernier petit essai. Oui, pour le Samoa. La Samoa Gallery, dommage, essaye. Ouais, mais c'est bien, il a glissé tôt et il a permis le ballon. C'est ton pas de vivre. Plus. On ouvre. On ouvre, comment ça on ouvre? On impacte. On ferme du côté français, on ferme. Ah oui, mais on est retourné, non, ça va. Non, le ballon est là, il peut le sortir, le Samoa. Il y a le gros chevelu qui attend de quoi aller bouffer du défenseur français. Il y va plus dans les regroupements, le gros chevelu, parce qu'il a compris que si jamais il s'y pointe. Laissez-vous aller, voilà, les Samoans. Laissez-vous aller comme il faut maintenant. Il nous faut un deuxième essai, ce serait sympa arrête, pour vous. On arrête, non. Non, continue, non. Bon, allez. Allez, le gros. Allez, voilà, c'est parti, Vanuatu. Il donne tout. Ouh, ils vont à deux maintenant. Ils y vont. Why not? Mais enfin, ils n'étaient pas tout à fait à deux. Hein. Ils étaient vite désunis. Oui, allez, c'est la fin du match, dépêchez-vous, Pili qui a perdu le ballon, ça sera relancé par les Français, mais le directement en touche et arrêté, sortez-moi le cuir, ce match est terminé. Allons, enfants de la batterie. Les enfants de la batterie. Ah oui. Un groupe de jeunes qui monte. Un rythme endiablé. C'est ainsi que se termine ce match, cette transmission. Ce test match de rugby entre la deux nations là, ici même au Stadium de Toulouse. Nous étions là à Sparta 783 avec un 52-8 auquel je retire 3 points à l'équipe de France qui nous fait un 49-8. on n'est pas loin du décret. Et c'est dur pour les Samoans, mais c'est pas complètement abouti pour les Français. On va se retrouver très bientôt, n'ayez pas peur. Nous reviendrons. Oui. N'oubliez pas que désormais vous pouvez nous contacter, nous suivre.
et suivre les informations sur Sportas Family, hein, si tant est qu'il y a, déjà l'info que le prochain match sûr de sûr, c'est le 26 novembre, France-Nouvelle-Zélande, sûrement un gros match. Nous essaierons d'avoir effectivement les deux équipes au complet. Surtout nous. Au rire complet, bien sûr. C'était Sportas 783. Et c'était sûr. Dailymotion ? Yes. Disons-le. Yes. Yeah, substitution, c'est Colombia, ok. On change de match, mais nous allons nous quitter, vous quitter. C'était donc Sportas 783, nous en étions là. Nous n'arrivons pas à partir, vous savez. Bonsoir, madame. Madame. Bonsoir, mademoiselle. Salut, monsieur. Zidane au sein de l'équipe de France. Oui, encore, encore. Zidane au sein de l'équipe de France. D'accord. Un dernier message ? Ils sont chauffés par le sol. Le foot, ils sont chauffés par le sol. Merci. Bonsoir. Jean-Louis, je suis mal garé. Jean-Louis, toi, t'es mal barré, par contre. On vide. Censé. On en profite. Et elle nous a quitté. Chasse d'eau. Absolument. Privé. Non, je suis pas dur contre eux. T'es à sa famille, mais. En plus, ils sont battus. Quoi.